Quartier Libre TV, bonjour. Alors, qu'est-ce que tu vas nous annoncer alors des événements qui vont se passer dans ton quartier, André, François? Plein de choses hyper intéressantes. Ah, alors, on t'écoute. Le samedi 11 juin, un groupe d'échange des savoirs participe à la journée mondiale du tricot. Ah. Alors, si vous avez envie de tricoter, vous préparez des petits carrés, des petits cœurs. Le 10 juin, alors là, grand moment aux amarres, le groupe Stools vient nous présenter son nouveau CD. Ah. Et là, il y a méga fête. Et ce sera l'occasion pour nous aussi, Quartier Libre TV, de vous présenter ce groupe. Donc, je tiens à préciser que c'est un groupe rock, post-grunge, superbe. Le 19 juin, c'est le grand déballage, style Foire Saint-Michel, le domaine, le terrain de l'évêché. Venez nombreux, parce que là, on peut faire pas mal d'échanges, c'est très intéressant. Le 24 juin, les petits loups sont sortis. Ah. Attention, ils accueillent Charles Hubert en concert. Donc là, c'est pour les tout petits, je vais dire de 6 mois. À partir de 6 mois, pardon. Donc c'est à 10h aux amarres. Le 29 juin, c'est le Café du Net. Le thème, ce sera comment naviguer sur les sites administratifs. Bon courage, faudra prévoir votre journée entière. Voilà, c'est tout. Et après, il n'y aura plus qu'à préparer les vacances. Bien sûr. Et tout le monde a vacances. Voilà. Je te remercie. Juste une petite question. Est-ce que certaines de ces activités sont payantes? Non, je pense que tout est gratuit. Je pense, mais généralement, toutes ces activités sont gratuites. Oui, parce que c'est important de les signaler pour les gens. Bien sûr, oui, voilà. Je comprends tout à fait. Oui. D'accord. Écoute, je te dis au revoir et au mois prochain pour d'autres annonces alors. Ce sera d'ailleurs toi qui vas recevoir Kérouri. Ce sera avec plaisir, Martine. Voilà. J'aurai un grand plaisir à vous accueillir. Merci. Merci également. Au revoir. Au revoir.